Donc quoi tu ong chúng tôi dùng đẹp cả to cái chúng ta cả nên thì sẽ mà cả là nơi thay đi ong chúng đẹp nâng bản to sắp đặt thay cầm sợ xây số số chiết nơi về bắc hay nâng về đồ xiêu ong chúng đẹp nâng vừa sắp đặt cả sắp đặt thay cầm sợ xây để miền hạt sơn niệm thì sẽ để ví dụ của mùi rồi là sai sẽ phẩm bảy làm gì sắp đặt cả đâu ដែលបានតាមឡើងរៀបការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលនៃអង្គជំរះក៏ហើយអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការថ្ងៃនេះសូមគោរពជម្រាបលោកប្រធានក្នុងសម្មនាការនៅថ្ងៃនេះគឺគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដែលឡែកជន់ចត់ចោលលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសម្មនាការតាមដោយសម្ដេចរបស់អង្គជំរះសាលាដំបងដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាព សមាជិកវិនមកជាតំណាងដើមនៅរដ្ឋវិនីលោកពេជ្រអង្គបានជួបនឹងមកថាលោកអវត្តមាននៅទីសាវនាការមួយព្រឹកដោយសារមានមូលហេតុធុរៈតក់ខ្លួនដោយលោកប្រធានបានជម្រាបសាវនាការបាញ់មិញគឺសាវនាការនៅព្រឹកនេះនឹងស្ដាប់សាកបន្តស្ដាប់សាកថ្ងៃកម្មរបស់សាកសៃសូសុជាតិនៅពេលរសៀលស្ដាប់សាកថ្ងៃកម្មរបស់សាកសៃដែលមានរាសនាមទីស៊ីដាប់យូ648 សាកសៃTC ដាប់យូ648បានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែកនៃអវតកកាលពីព្រឹកមិញនេះនឹងបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពទៅគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬញាតិប្រពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬតាមដឹងរដ្ឋវិនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទេហើយសាកសៃបន្ទាប់នេះក៏នឹងមានមេធាវីប្រឹក្សាយោបល់លោកមមលធា សាកសៃថ្ងៃនេះក៏មានសាកសៃសម្មនាការថ្ងៃនេះក៏មានសាកសៃបំរុងមួយរូបផងដែរដែលជាសាកសៃទើបបញ្ចូលថ្មីស្របតាមអនុសញ្ញារបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងឯកសារ E266/3 និង ឯកសារ E268 តាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សៃក្រុមនេះសូមអញ្ជើញតំណាងសាក់ព្រេញ្ញាខេសរីណូសូមប្រាប់តិចលោកតំណាងសាក់ព្រេញ្ញាដែលលោកចក្រមឡាវិញតំណងជាគាត់មានទំនួរមួយចំនួនចង់សួរចំពោះសាក់សៃរួមនេះដែរសូមអញ្ជើញលោកចក្រមសំមកឡាវិញ Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Sosociat. J'ai effectivement plusieurs questions, même un bon nombre de questions à vous poser ce matin pour compléter votre témoignage d'hier. Tout d'abord, j'aurais des questions concernant l'état civil de votre famille. Lors de la demande de mise en liberté de votre époux, les avocats de ce dernier ont remis à la Chambre un certain nombre de documents. Parmi ces documents, il y a la copie d'un livret de famille. Il s'agit du document E275.8. Or, ce livret de famille est établi au nom de six langues, S-Y-L-A-N-G. Et il apparaît que, c'est sur la page 3 de ce document, M. Kyusampan, a priori, a un alias qui est six langues. Alors, est-ce exact? Et si oui, depuis combien de temps ជាទីលាប់លេងស៊ីឡាងនេះតាំងពីពេលណាមកសូមជម្រាបស៊ីឡាងឈ្មោះបងប្អូនគាត់ហៅនៅផ្ទះលេងហើយយើងគិតថាដាក់អានឹងទៅរួចទៅដាក់ឈ្មោះនឹងហើយចាំបន្ថែមវងកញ្ចក់នឹងគាត់ឈ្មោះលេងនៅផ្ទះ
Ce n'est pas son nom officiel, madame. Son nom utilisé dans sa famille, ce n'est pas son nom officiel. Depuis quand M. Quesampan fait-il usage dans des documents, officiels du nom de Silang et pourquoi? Dương nhầm cơ chứa sự phân cổ xa ní đòi dù lực hình thà bà chú chạc quát để hai lên nơi té rồi tới vùng cái chó đặt lúc khi xâm phòn tạm còi anh đứng có bàn chuộc cho mũi khang khuôn khang ấy chẳng tới tháng chẳng đặt bàn đá chẳng đã anh chẳng nâng cứ miên tăng vì mòn nơi bay lớn cứ đặt thầm nâng ai lục khi sầm phón nâng cứ chung một quạt tăng vì đau màu Bien, on va passer à une autre question. Sur ce livret de famille, il apparaît mentionné l'existence de quatre enfants. Le premier de ces enfants, c'est un garçon, et vous avez, sauf erreur de ma part, déclaré hier qu'il était né le 4 mai 1974. Or, sur le document officiel, il est déclaré être né le 6 juin 1974. Alors, qu'est-ce qui est exact? Ce que vous avez dit hier, ou ce qui est mentionné sur le document officiel? Việc tại giang mấy ấy giang mấy đó mở xu cõi bàn việc rạp tại tao gặp bất côn nhóm các nữ khai đơm khai prám ngày buôn khai prám chất sập buồn nâng với chất đạc chân là chân đạc ta mà tạ sinh nhân là ban được bỏ về mình Alors, ce garçon, donc l'aîné de vos enfants, vous avez déclaré hier, sauf erreur de ma part, qu'à l'âge de 3 ans, il avait été envoyé dans une unité d'enfants, où il était pris en charge, si bien compris, de façon permanente. Alors, j'aimerais comprendre, qui est-ce qui a pris cette décision d'envoyer votre enfant dans une unité d'enfants? Est-ce que vous avez été consulté? Est-ce que c'est une décision prise par votre mari? Est-ce que c'est une décision qui vous a été imposée? Est-ce que vous l'avez contestée? Comment ça s'est passé? Nơi khăn mình ti chỉ ruộng cứ ca sầm rạch ấy cứ tam và thiên mình ti để cướp cồn nơi cái lại mình ti luôn bữa thọ cọ bấy cứ nẹ mình ti cọ bấy cứ cướp cồn là chân kia sầm rạch ấy mò xua dương đá bàn tay ca sầm rạch rụi hao ấy dương ấp miên sông đi kệ bàn thì vì ruộng chỉ ruộng tiền ốc nia trời tự do tự động chân mà đai thầu thơ ca cái miền nẹm mưa trăm trời ấy chân được chưa này trời tự do tự Vous avez dit hier que votre enfant revenait de temps en temps auprès de vous. Vous avez noté qu'il était malheureux et qu'il ne voulait pas vous quitter.
qui le forçait à partir, retourner dans l'unité des enfants. Qui? Est-ce qu'on le forçait à repartir? Et si oui, qui le forçait à repartir? Est-ce que votre mari a marqué à un moment donné son désaccord par rapport à ce qui était imposé à votre enfant de 3 ans? Est-ce qu'il s'est plaint ou est-ce qu'il a dit qu'il fallait obéir à l'encart? Est-ce qu'il s'en est plaint auprès de la personne qui dirigeait K1, K3? Et quelle était cette personne? Où était votre fils au moment de l'évacuation de Phnom Penh? En 79. Madame Sosochiat, hier, vous avez déclaré avoir accouché d'un troisième enfant peu de temps avant la prise de Phnom Penh par les Vietnamiens, en janvier 1979. La question que je vous pose, c'est où était votre fils au moment de la prise de Phnom Penh en 1979? Donc,
ni votre mari, ni vous-même ne vous êtes occupé de votre fils. Je n'ai pas entendu votre réponse, je ne sais pas. C'est un problème de traduction. Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse? Après ce fils aîné, il est mentionné donc un deuxième enfant, une fille, qui est née, qui serait née le 19 septembre 1976. C'est ce qui est mentionné dans le livret de famille. Est-ce que vous confirmez cette date de naissance ou non? Donc elle est née en septembre 1976. Vous dites le 13 septembre, c'est ça? Bien, donc hier, madame, vous avez expliqué que votre fille vous a parlé et c'est grâce à elle que vous avez compris ce que votre mari faisait comme travail pendant la période du Kampuchea démocratique. Sauf erreur de ma part, vous avez dit que votre mari emmenait sa fille et que, en sa compagnie, ils avaient visité des entrepôts où il y avait du matériel et de la nourriture entreposés. Est-ce bien exact? Alors, qu'est-ce que vous a expliqué votre fille qui avait, sauf erreur de ma part, elle n'avait pas 28 mois au moment de en janvier 2019. Qu'est-ce qu'elle vous a expliqué du travail de votre mari que vous n'aviez pas encore compris? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle faisait des longues phrases, elle faisait des discours? Anh ấy vì mệt práp té, cả nó côn nhom bá chơi mùi chăn nam chieng, khai thay mán nhom bắt đăng ấy bắt té mùi chăn nam chieng ấy, vì chơi nị dây tích tích, ai vì ắt práp té, vì lên tờ vía té, cả nị dây nấy cứ còn là thà, bụt hó, à nô nô, mặn mặn, hay vì do chơi rứa ấy mà đã nô nô mặn mặn, hay khiếm chạy chao ấy nô nô mặn mặn, anh ấy còn tờ vía sầm đay chăng té vì ắt mệt práp té.
Alors, j'aimerais comprendre. Est-ce que c'est oui ou non, grâce à votre fille, que vous avez compris ce que faisait votre mari pendant la période du Kampuchea démocratique? Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez dit hier? ខ្ញុំចង់ដឹងថាអញ្ចឹងមែនទេចម្លើយលោកស្រីហ្នឹងកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងថាគឺដោយសារតែកូនស្រីហ្នឹងប្រាប់ទៅលោកស្រីដឹងថាប្តីលោកស្រីធ្វើអីក្នុងសម័យនោះខ្ញុំឮកូនស្រីវាលេងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរថាប៉ុកមិនបានអូនវាចេះថាណូណូអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងបានប្តីខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាឲ្យបងប្អូនរៀបអីវ៉ាន់ណែ Alors, qu'est-ce qui vous a expliqué, madame? ដូច្នេះហ្នឹងតើគាត់ប្រាប់លោកស្រីថាម៉េចឲ្យច្បាស់ទៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលថាពេលលោកស្រីឮកូនប្រាប់ថាអីណូម៉ាន់អីអញ្ចឹងតើពេលខ្លះគាត់រវល់នេះដែរគាត់បញ្ញាប្រកួតថាទៅរៀបអីវ៉ាន់ថាហ្នឹងត្រូវឲ្យគេរៀបអីវ៉ាន់គាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះរវល់ហើយអត់បានយកកូនទៅទេគឺត្រូវរៀបចំសម្ភារៈមួយចំនួនយកទៅឲ្យខាងមូលដ្ឋាន ហើយជាហូហែមកគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថារៀបអីវ៉ាន់នៅប្រចាំនៅកន្លែងគេមានកន្លែងគេរៀបផ្សេងទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងដូចអត់ឃើញមានអីនេះផងឃើញតែនិយាយតាមគាត់គឺគេប្រាប់មកឲ្យរៀបគឺរៀបអញ្ចឹងមកមិនមានសម្ភារៈនៅកន្លែងហ្នឹងទេអត់ទេ Bien, nous reviendrons plus tard sur les activités de votre époux et sur ce que vous en savez. Il y a donc l'indication de deux autres enfants, une fille qui est née en 84 et un autre garçon né en 87. Et vous avez dit que, par ailleurs, vous aviez donné également naissance à un autre enfant. Donc c'était cet enfant qui était né au début de l'année 79 et qui malheureusement est mort un peu plus tard. C'est exact. Vous avez dit, je crois qu'il était mort alors qu'il avait 7 mois. C'est exact. Alors, en ce qui vous concerne, j'ai noté que vous étiez originaire d'un village qui s'appelle Kakpon, mais je dois prononcer très mal son nom, et que ce village était situé dans le district de Rovien, dans la province de Préville. Est-ce que cet endroit, pendant la période du Kampuchea démocratique, était connu sous le nom de secteur 103? Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps la région de Prévire avait été libérée par les forces révolutionnaires? Était-ce avant ou après l'annonce de la destitution du prince Norodom Sihanouk? Croy tum lẹ
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est passée cette libération? Et est-ce que vous pouvez nous dire en particulier si les habitants de la ville de Rovyang ont été évacués? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il n'y avait pas eu d'évacuation? C'est ça ce que vous voulez dire? Est-ce qu'à un moment, les gens de la ville de Rovyang ont été évacués? Et quand? Est-ce que les bonzes étaient toujours dans les pagodes ou est-ce qu'ils avaient dû quitter les pagodes? Et quand ont-ils quitté les pagodes? Est-ce qu'au moment où vous êtes marié, il y avait encore des bonzes dans les pagodes? Est-ce que vous avez noté la mise en place de coopératives? Au moment où vous-même vous partez dans le maquis, dans la jungle, suivre la révolution, est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des coopératives qui étaient mises en place dans votre région? Đội mình toàn miền và cả sài co thì tất là sài hạ co thì quand avez-vous eu connaissance de la mise en place de coopératives? Đại lộ xây đăng thà miền ca bằng cao sài co sống tốt tiền on đi khi ông ở ban trăm vì lúc ấy khi ông mình chuyển nhẹ nội vụ bài tế từ đó khi ông quan đã đăng bài. D'où venait la nourriture dont vous serviez pour préparer les repas? Est-ce qu'elle venait de paysans individuel ou est-ce qu'elle venait de coopérative? Pel dek yo mau ke atai prap thay yo mau pi khang na te kon yo mau khang yuk nyom tu ta pan nung. Les repas. Donc on va parler maintenant de l'endroit où vous viviez avec les dirigeants. Au bord de la rivière Chinit. Donc cet endroit, il s'appelait comment? B17? B17.
nơi cái lại nưng khom mần đăng cái hào ấy tế phân là thạch mần tí tưng chỉ nứt đăng chỉ chmuh chi lê chi ấy nhưng ắt đăng đại Est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle B17 qui n'était pas le bureau de Chinit? Et où était situé ce B17? Cái nó kêu hai tháp phun sầm rồng sọc tưng tròn phun nhom ắt qua lề vẫn đang thà sọc tưng tròn khai cả bông chàm alors Au bureau de Chinit, à B17, à B20 ou ailleurs, est-ce que les repas se prenaient en commun? Est-ce que dans ces endroits, on avait pratiqué une certaine forme de collectivisation. Quand vous rencontrez M. Kyo Sampan, vous nous avez dit hier que vous saviez simplement que c'était un intellectuel. Est-ce que vous avez entendu parler d'un document qui s'appelait Déclaration des intellectuels patriotes, document signé par 91 intellectuels réfugiés en zone libérée? Est-ce que vous avez entendu parler d'une déclaration Il s'appelait comme cela. Est-ce qu'il vous arrivait de discuter avec votre futur époux, avec votre époux, de son rôle ou du rôle des autres dirigeants et de ce qu'était la révolution? Nét đặc nôm bạn để vua rồi mới có nữa ấy tới quan tài để dây chụp to luôn La révolution ne vous concernait pas, ce n'était pas un sujet digne d'intérêt entre vous deux. Xong tốt lục và thiên tây trăng hà xuôi mình dạng dạng mấy trăm được ạc dồn Vous étiez parti dans la forêt, dans la jungle, pour vivre une expérience révolutionnaire. Vous aviez suivi des séances de formation. Ces séances, vous avez été assuré par une dénommée IEM.
Donc je suppose que vous aviez un engagement qui était un engagement révolutionnaire. Vous n'étiez pas là par hasard. Est-ce que vous avez discuté de vos engagements révolutionnaires respectifs ou est-ce que c'était des sujets qui n'étaient pas dignes d'intérêt entre vous ? Est-ce qu'il était question de discipline, madame? Est-ce que vous savez ce que c'est que la discipline? Est-ce qu'il était important d'obéir à l'encart? Je suis désolé, madame, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai demandé si pour vous la discipline c'était quelque chose d'important. Est-ce qu'il fallait obéir à l'encart ou est-ce qu'on pouvait discuter? Est-ce qu'à cette époque, vous avez vu votre mari exprimer des doutes, des inquiétudes, des interrogations, ou bien est-ce que vous l'avez vu toujours être d'accord avec les dirigeants qui étaient avec lui au bureau de Chinit ou à B17 ou ailleurs? Quand avez-vous appris que votre mari avait des fonctions importantes, fonctions de vice
Premier ministre Grunk, de commandant en chef des forces armées révolutionnaires. Quand l'avez-vous su? Madame, est-ce une personne ordinaire qui a accueilli le prince Norodom Sihanouk en 1913 lorsque celui-ci a visité la zone libérée? Ou bien avez-vous entendu à ce moment-là que votre mari occupait des fonctions importantes? Qui a accueilli l'ancien roi? Est-ce Pol Pot? Est-ce Nguyen Chea? Ou bien est-ce votre mari? Qui était à la tête du front pour accueillir le prince Norodom Sihanouk? Était-ce Pol Pot ou était-ce votre mari? Madame, hier, vous avez déclaré qu'au moment de cette visite, vous étiez mise au service du prince Norodom Sihanouk. Vous étiez donc au premier rang pour voir ce qui se passait. Est-ce que votre mari n'était pas celui qui était en charge d'accueillir officiellement le prince Norodom Sihanouk? បាយទឹកកតុប
pel chôl cả lấy thơ cá nhom ăn miên mục tờ tế Avez-vous entendu les mots de comité central, comité permanent, congrès du FUNC? Avez-vous entendu ou vu votre mari préparer des discours? Nó bên nút khi ông ập đăng rương tặng ăn đi tế từ group run tập này mùi trên nẹ đám bài đối với nẹ rương thông thông rộ bàn dụ bài thì bố ếch ông ập mình mến trên nẹ dụ bài xong tốt khi ông ập đăng. J'aimerais comprendre, madame. Est-ce que c'était des choses qui ne vous intéressaient pas et donc vous estimiez complètement inutiles, ou est-ce qu'il vous est arrivé de poser des questions à votre mari? Đôi xa thật nhau mình chạp ở rộm rùm bùi nít bực rùi ấy khi em lục vô lưu nực mong tẹp bài nè. Khuyên phê từ ban bì cụ phì phía xa rùi gặp ở đây khi em ấy prap ấy ở tận miền tế. Phía được cách riêng riêng luôn. Bien, donc, quand votre mari partait, parce qu'a priori il est parti, peut-être c'est une découverte pour vous, mais il est parti faire des voyages en Chine, il est parti faire des voyages à l'étranger, est-ce qu'il estimait que c'était des sujets de conversation qui pouvaient vous intéresser? Est-ce qu'il vous en a parlé ou est-ce que vous n'en avez jamais parlé? Rương đi ca nghe rồi bác quát nhóm ở đây mà bẹp quan thế còn đã đăng thả anh quát tới chân. Đồng bây chụp xuống đạch và nâng đăng. C'est tout, vous disiez... Je vais rencontrer le prince, je ne sais pas quand je reviens. C'est tout ce qu'il vous disait. Est-ce que par hasard vous avez entendu parler de sept super traîtres? Hier, vous avez déclaré que avant le 17 avril, vous avez d'abord été à K17. Puis à B20, et après vous avez indiqué que peu de temps après la naissance de votre premier enfant, vous avez déménagé pour aller vers le bureau de NEAC. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce qu'il y a un bureau qui s'appelle NEAC? Et si c'est le cas, de quoi s'agit-il? Après la naissance de votre premier enfant, où est-il? ตัวปีโกนทีมวยรบหลกสไลบันจับกับนาดมาน้องหลกสไลนู่คนไลน่าได้
bạn chấp cầm nát máu khi mà mình ti đôi mà thầy cái hai bị tưng chân đứt máu miền mà thầy buồn miền kho sám sập anh nâng cái đập to và to máu ban máu đập một bẩn Hier, vous avez également déclaré que environ 10 à 15 jours avant la chute de Phnom Penh, votre mari vous avait quitté en disant que la chute de Phnom Penh était imminente. Est-ce exact? Est-ce qu'il vous a dit ce qui allait se passer au moment de la chute de Phnom Penh? Oui, c'est ça. 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 Oui, Et ça ne vous intéressait pas? Oui, c'est ça. Nên khi ông kịch tha cả nâng bố ca nghe vì xâm khăn đã đối chứ này kháng dụ bài nè đất nó mà nâng nhưng khi ông ọt miền bẹp bọn nâng ta ca nghe là bọc luôn ai xâm khăn mình xâm khăn cứ tha bắt đầu chóp lơ ca nghe Vous avez également déclaré hier que, je crois, environ une semaine après la chute de Phnom Penh, alors que vous étiez à Stone Trang, que Sampan est venu vous rejoindre. Et il a passé la nuit avec vous. Est-ce exact? Quand avez-vous revu votre mari après la chute de Phnom Penh? Et où? C'était combien de temps après la chute de Phnom Penh? Vous-même, madame, comment avez-vous appris la chute de Phnom Penh? Bên lúc đăng thà kê vay kia này mặc hàng hay hàng đẹp bạn để vót vay rồi mặc hàng tới hay rồi hàng bạn để vót nhé anh đứng chia cá đua rồi lúng nhầm rồi chẳng
Avez-vous su, madame, que Phnom Penh, comme d'autres villes, a priori, ont été évacuées? Avez-vous vu ou avez-vous entendu parler de populations obligées de quitter Phnom Penh et évacuées sur les routes? ការពីមុនដំបូងទៅតែរំដោះហើយយើងខ្ញុំក៏អត់បានដឹងនេះដែរ On va revenir sur votre arrivée à Phnom Penh. Mais au préalable, j'aimerais que vous nous disiez si votre mari, M. Khieu Samphan, vous a fait partager son expérience de la prise de Phnom Penh. Est-ce qu'il vous a dit comment les événements s'étaient déroulés? Est-ce qu'il vous a dit ce qui s'était passé? Est-ce qu'il vous a dit ce que allait être votre avenir? Quát mình đai ban thì dây bị rương cả từ mục dương giang mạch ấy giang mạch nhâm quát còn mình đai tí còn là thay chỗ tới hay càng nghe nâng tư quát đai thì dây gặp Madame Lục sấy Est-ce que vous savez si votre mari avait une famille, une mère, des frères, des sœurs, des amis qui vivaient à Phnom Penh? Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce qu'il vous a dit ce qui leur était arrivé? ហើយគាត់មានធ្លាប់ប្រាប់លោកស្រីអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងចំពោះបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិគាត់ទាំងអស់ក្នុងដែរឬទេក្រោយមកគាត់ធ្លាប់និយាយអំពីបងប្អូនគាត់ដែលជម្លៀសទៅ Quand vous en a-t-il parlé? Donc, pendant plus d'un an, M. Khieu Samphan a vécu à côté de vous, sachant que sa famille, ses frères, ses sœurs avaient été évacués de Phnom Penh et ça ne l'a pas affecté. Vous n'avez rien noté, il ne vous a pas posé de questions, il ne vous a pas parlé de ça, il n'a pas cherché à savoir où ils étaient. Quạt ban thì dây hay đôi cái đây cái hai thằng prui bà rom đây chia bị xe cứ bong ấp ôn quạt đây chúng liên tư quạt mình nực màn chẳng đá nữa ấy quạt mình dây prap hiom cái thằng đăng tới đò nam đăng tới đò này tê
nâng quạt miền gì tập bản nâng hay nâng giang mạch giang mà thế ấy hai ấy quạt miền bản thai quạt thang và hai chia mình ấy thế tạm mơ bị pro kê chấm liệt tới khi miền cả lại nhòi nơ mình ấy thế tạm mơ hoàn chân nâng quạt miền gì chân mền Et vous a dit ça au bout d'un an. Hai quan ni yi prab lok srey yang do chneh nang tol ta ma chnam chieng kraoy hai mau te chang he. Cha. Alors venons-en à votre séjour à Phnom Penh. Hier, madame, si j'ai bien écouté ce que vous avez dit, vous nous avez décrit des conditions de vie qui étaient particulièrement pénibles. Des repas plus que frugales. Des logements sans aucun confort, sans aucun meuble. C'est bien ce que nous devons comprendre. Avez-vous manqué de nourriture pendant cette période où vous étiez à Phnom Penh? Avez-vous vu, madame, des gens, des enfants, des nourrissons, des vieillards, mourir de faim? Avez-vous vu cela autour de vous? Que ce soit à la pagode d'argent, à K3. Est-ce que les repas étaient pris en commun? Est-ce que vous mangiez la même nourriture que Nunchia, que Yangsari, que Van Vett, qui sais-je? Est-ce que c'était les mêmes repas, la même nourriture pour tout le monde? Et donc la nourriture était insatisfaisante. C'est ce que j'ai compris hier de votre déclaration, madame. Est-ce bien exact? Est-ce que vous avez remarqué si monsieur Yangsari, si monsieur Nunchia avait beaucoup maigri, beaucoup souffert de malnutrition pendant cette période? การนึ่งอาหารเจริญมันเจือกว่าหมูอีปันมาเต้ก่อนแต่ท้าจึงปีสังเกตมองยืนอัดเมียนไอหุบหนึ่งอัดไอก็อัดเมียนไอคือหุบหนึ่งจ่าเมียนเป็นหนึ่งเต้ Alors, est-ce que votre mari, il vous arrivait de lui dire que parfois il pouvait faire des bons repas, de participer à ce qu'on appelle
des banquets. Vous étiez au courant qu'il y avait des banquets à Phnom Penh au temps du Kampuchea démocratique? Monsieur le Président, je voudrais savoir s'il serait possible au service audiovisuel de projeter sur les écrans un certain nombre de photos. Il s'agit des photos E190.1.182. Voilà. Serait-il possible d'afficher successivement ces images à l'écran? On va peut-être revenir un peu plus tard, le temps que les choses se préparent sur le plan technique. Mais sur une autre question, vous nous avez longuement parlé de vos difficultés dans vos installations à K1 et K3. Je voulais savoir, est-ce qu'il vous est arrivé, madame, de vous rendre dans l'ancienne maison de la famille de votre mari ? La maison où vivait la famille de votre mari au moment où celui-ci est parti, est-ce que vous êtes allé visiter cette maison? Vous n'en aviez pas les clés? Vous n'y êtes donc jamais allé? Alors, Monsieur le Président, serait-il possible de remettre à Madame Sosochiat un document? C'est le document E3/385. Il s'agit du procès-verbal d'audition d'un témoin que nous devrions prochainement entendre. Comme on doit prochainement l'entendre, je ne peux pas donner son nom. Je pense que
son conseil pourrait indiquer à Madame Sochiat quelle est cette personne, et on pourra lui demander si elle connaît ce témoin. Voilà, donc si il est possible de remettre ce document à Madame Sochiat. Alors, je ne vous demande pas de lire tout ce procès-verbal interrogatoire, je vous demande simplement de me dire si vous connaissez cette personne. Est-ce que vous en avez entendu parler et est-ce que vous savez qui c'était? Bien, on a tenté d'éviter de donner le nom de cette personne. Bon, maintenant, c'est un peu trop tard. Donc, effectivement, il s'agit du procès-verbal d'audition du nommé Leng Chun. Et il se trouve que cette personne a été ou a exercé les fonctions de chauffeur de votre équipe. Vous nous dites que vous connaissiez un chauffeur qui s'appelait Chun. C'est bien exact. Alors, voilà ce que dit Chung. J'ai souvent accompagné Kyo Sampan chez sa mère, qui vivait dans les environs de Bung Keng Kong. Dans sa maison, il ne me semble pas qu'il y ait eu un endroit pour travailler. J'ai vu qu'il y avait seulement une tablette, un canapé pour les invités, ainsi qu'un hamac dans lequel ils se reposaient. Il n'avait pas de secrétaire personnel, ni personne pour s'occuper du téléphone. Mais, à l'intérieur de la maison, il y avait un téléphone fixe pour son usage. Il partait travailler. Quand il partait travailler, il fermait la maison à clé. C'était lui et sa femme, Rin, qui détenaient les clés. Alors, ça vous rappelle quelque chose ou Pourquoi avoir dit tout à l'heure que vous n'étiez jamais allé dans la maison de votre belle famille? Oui.
Tại tại nâng cư chếp tại còn ta nơi mình men chếp tại men chếp tại rộng bọc quạt tế tại kê điệp chom ở nơi Kroi pil bàn bà man khai kroi mỏ nâng bàn kê vô quạt máu nâng khiêm bàn tư lì xong tốt mấy nhà lúc bạn xuống nhóm thả tế rộng bọ cổng ước rộng bọ lúc khiêu xong phón đài thu lọc nước nông phênh nhà nâng nhóm ạ đài sọ ạ đấng tế đài lúc chương thì dây ní cứ phênh thật tế đài quạt thu lọc nông tư ní tế đài nơ cổng phê đài nông phênh rộng đọc Avez-vous rencontré ou non votre belle-mère? Ta nèk srei thlop ban chuop mdaai khmeik nèk srei te? Cha nyom ban chuop. Alors, elle s'était cachée au moment de l'évacuation de Phnom Penh? Ta nèk pel où est-ce qu'on l'a trouvée? Comment l'a-t-on trouvée? Ta ke ro khoeng comment votre mari a-t-il pu rencontrer à nouveau sa mère? Chuop mdaai kwat laang veng tam robiep na? Ka luk tam nyom dang mdaai kwat chenh te ro kwat nơi vọt lục hay đò tranh vì vọt lục nâng tới tam khu nẹt đài squal squal chẳng tới trẻ xua kê tới ban tới chụp quạt nơi prey donc si je comprends ce que vous nous dites, votre belle-mère est partie de Phnom Penh avant l'évacuation de Phnom Penh? Elle est partie de Phnom Penh avant le 17 avril ou après le 17 avril? Elle est partie de Phnom Penh avant le 17 avril? Et donc, elle a retrouvé son fils. Elle l'a retrouvé où? À K17, à B20, à Stengtang, à Chinit, où? Et comment a-t-elle su où trouver votre fils, votre mari? Est-ce que Que Sampan avait demandé à sa mère de le rejoindre? Cứ quạt tranh máu đòi quạt nơ cái lại nơ nông bên bàn bộ cô ấy quạt khai đại côn tranh máu hái quạt khai đấy rồi cho nên quạt từ nơ quạt bàn quạt tranh bị quạt máu quạt tranh từ phum tranh từ phum nó cứ squal kê squal ai chân tới cho ta chia tay chia ấy tới cho mùi kê từ phum hái cho ta xua kê to to tới hay về lúc ta mơ miên nẹt đè đôi chìa nơ tam khum tam khum đè rụng đó hơi khá kê squal tam lưu quận dây chẳng cái cho ta nuông quạt màu ai khang quát đôi ọt đăng cái quạt vẹp nhóm quạt thai quạt ọt đăng đáy nâng
sẹp ta tới khơi có thể có ăn đắng sao ăn đắng mà đái quạt tới sao Et votre belle-mère, est-ce qu'elle cherchait à savoir où étaient ses autres enfants après l'évacuation de Phnom Penh, après le 17 avril 1975? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus, vos beaux-frères et belles-sœurs? ក្រោយរំដោះហើយគាត់ព្យាយាមដែរគាត់ខំសួររកប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងខ្ញុំក៏មិនដឹងថានេះដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់និយាយមួយគាត់ដែរថាដឹងយ៉ាងម៉េចទេម៉ែនឹងនៅណាអីណីខ្ញុំក៏អត់ដឹងគាត់ក៏ធ្លាប់និយាយដែរ Bien, on va changer de sujet, j'ai peur qu'on n'aille pas très loin. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas eu l'occasion de quitter Phnom Penh. Est-ce exact? Est-ce que pendant la période du Kampuchea démocratique, vous êtes toujours resté à Phnom Penh? Ou bien est-ce que vous avez eu l'occasion d'effectuer des déplacements? ធ្វើការផ្លាស់ទីធ្វើដំណើរទៅណាទៅណីនៅក្នុងប្រទេសដែរនឹងខ្ញុំអត់មានដែរបានចេញទៅណាទេក្រៅពីនៅផ្ទះមានម្ដងមកកាលចេញតែជិតៗប៉ុន្តែយើងខ្ញុំអត់ចាំទេចឹងជិតៗដូចទៅលេងម្ដាយ Quand vous dites votre mère, c'est votre belle-mère ou c'est votre propre mère? Vous est-il arrivé d'accompagner votre mari lorsque celui-ci visitait la campagne avec le prince Norodom Sihanouk et son épouse? Est-ce que cela vous est arrivé? Procès verbal d'audition de M. Kim Von, document E3-380, ERN en français 00-48-54-34, ERN en anglais 00-36-56-46. Voilà ce que dit ce témoin. Quand Samdek Sihanouk et Samdek Pednouk sont allés dans les coopératives, j'ai vu que son père et sa femme les accompagner partout. J'ai vu tout ça parce que j'allais chercher des informations dans les coopératives. Je les avais rencontrés là-bas par hasard. Donc, est-ce que c'est un témoin qui se trompe? Je
ចាសសំទោសខ្ញុំអត់ដែលសំបីតែម្ដងក៏ខ្ញុំមិនដែលចេញទៅជាមួយសម្ដេចលោកមហេសីអគ្គមហេសីឬលោកតាប៉ែននុតសំបីតែម្ដងតែបីតែឃើញមុខក៏មិនដែលអត់សោះតែម្ដង mình đang chia sẻ xây cái khơi nhẹ nà nhầm ắt ắt sọ đang xong bài chuẩn bị đợi xong mà quân lục sẽ có một quân dạ xây mà lần này đặt về là sầm rạ hay anh em các sầm rạ một phen tí chạm được phen tơ hồ đầm mông là đọt môi các bạn đọt để tí xong một chương trình với nhà mình vẫn to cái chấm la ca sầm la ca một cái loại ba la ca tròn ruột đọt cái loại sầm rạ được tụ đồng trăm thì mẹ đã xây được mẹ chấm biến ដល់សាក់សៃរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតឯកម្មនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 11:10 នាទីសម្រាប់ចុះសូមក្រោកឈរ